Cette remise de matériel d'hygiène et d'assainissement par la représentation de l'Organisation mondiale de la santé au Congo à la mairie de Mvumvu intervient au terme de la formation des agents municipaux et de santé du dit arrondissement dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la participation et l'engagement communautaire dans le district sanitaire de Mvumvu. Au total, 27 agents municipaux et de santé ont été formés sur la prévention et le contrôle de l'infection dans les milieux de soins et les alentours immédiats. Un geste bien apprécié par l'administrateur maire de Mvumvu, lauréate Mberibini, qui n'a pas manqué de mots pour remercier la représentation de l'OMS au Congo pour son appui également dans le renforcement des capacités de ses administrés. Je suis très émue d'abord parce que hier c'était un rêve. Aujourd'hui, un rêve s'est transformé en réalité. Je tiens d'abord à remercier l'OMS. Je tiens à remercier le représentant résident de l'OMS qui est venu en Mvumvu et qui nous a dit qu'il pouvait nous accompagner. On se disait que c'était du vent. Et aujourd'hui, nous avons eu des formations et nous avons eu les dons que vous voyez. Donc, du rêve, on est passé à la réalité. La seule chose, c'est de dire encore une fois de plus, merci. Mais qu'ils sachent là où ils se trouvent, que nous allons nous atteler à respecter nos engagements et à faire un peu plus afin que ça ne soit pas le premier, le dernier pas, mais qu'ils viennent plus souvent, mais avec des mains plus garnies, de telle manière qu'ils soient fiers d'être venus en Mvumvu et qu'ils ne le regrettent jamais. Lorsqu'on vous donne des moyens pour pouvoir améliorer votre vie, améliorer les agents qui travaillent sous votre tutelle, c'est déjà beaucoup. Ça ne peut pas se mesurer à la valeur de l'argent. C'est plutôt le geste et ce n'est pas souvent que l'on rencontre cela. Ainsi, les agents formés assureront les services de ménage dans les centres de santé intégrés dans les quartiers pendant et après le projet en vue de la pérennisation des activités.